Les belles suites de cet hôtel de luxe parisien sont aujourd'hui transformées en plateau de cinéma. Car ce n'est pas un shooting de mode comme les autres. Sur ce plateau, le mannequin incarne le rôle d'une actrice mythique. Je m'appelle Rumi Schneider. Je viens de tourner un film avec Jacques Deray, La Piscine, qui passe en ce moment à Paris. 8 scènes, 8 films emblématiques pour un magazine que Luigi Di Donna a créé il y a 3 ans. Red Collector, c'est l'amour, puisque j'ai utilisé le rouge. Voilà, donc le rouge a deux sens. Le sens de l'amour, en tous ses termes, et le sens de la déchirure. Les plus belles histoires, les plus beaux films ont été tournés à Paris. Et Paris est vraiment... Il représente vraiment l'amour pour moi. Chaque numéro de Red Collector est dédié à une icône du cinéma. Marilyn Monroe, Marcello Mastroianni, Pedro Almodovar. Le cinéma m'apporte beaucoup de démarches, beaucoup de sensations. Et puis de toute façon, le cinéma existera toujours. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent, mais le cinéma ne disparaîtra pas. Et puis Red Collector, c'est vraiment le cinéma. Le visage de Rumi Schneider était célébré pour sa beauté et inspirait les cinéastes et les scénaristes. Est-ce que vous avez conscience d'être très belle ? Je ne sais pas, dis-moi, la gueule que j'ai, oh, écoutez, vous exagérez. Alors, il y a des films où vous êtes merveilleusement bien photographiée. Oui, c'est le chef opérateur, monsieur. Ici, toute une équipe travaille pour reconstituer une ambiance et parfaire l'illusion de la ressemblance. Je pense que déjà le photographe a casté une mannequin qui ressemblait déjà, avait des traits pour traits à Rumi Schneider. Son côté très anguleux, mais à la fois fin et très féminine. Donc ça nous a aidé à réaliser encore plus le look au niveau coiffure, au niveau maquillage. On se souvient d'elle avec des regards très noirs, des sourcils très travaillés pour accentuer son côté encore plus dur à l'écran. Les scènes abordées pour le magazine révèlent aussi l'évolution de l'actrice à travers le temps. Quand elle est arrivée, c'était plutôt une jeune fille avec un côté un peu frais, mais très simple, un petit peu petite bourgeoise. Et au fil du temps, au fil de sa carrière, elle est devenue de plus en plus sophistiquée. Il y a vraiment un passage avec son film La Piscine, où là, elle est vraiment une icône très sensuelle, voire sexuelle. Il y a quelque chose de nouveau qui se dégage d'elle. Je pense aussi que son aventure avec Alain Delon lui a apporté beaucoup de féminité. C'est un petit peu ce que j'ai cherché à retrouver dans les vêtements que j'ai sélectionnés. La grande passion de Rumi Schneider se termine mal. Mais ici, on ne voit pas la fin du scénario. Ce soir, nous sommes septembre. Grâce à ce numéro, on se rappelle toujours d'elle et de ses rôles. Avec un peu de nostalgie et beaucoup d'amour.